Chapit sa pral pale yo de dokiman, pi jan pou apren jere yo, pi jan pou antre soti la dan yo. Nan lison sa, nou pral wè ansam, ki jan nou kapap fè pou nou insere paj nan yon dokiman. Nou rappelou ke, yon dokiman kapap gen plizye paj. Par exemple, dokiman nan la, di gen yon sel paj. Si mon doit mandem ki kote m passe pou m konnen ke dokiman gen yon sel paj. Alors pou comprendre bien sa m ral di la, m obligé fè un ti coup de pied dans Microsoft Word pou m al montre comment kozi ay. Voilà. Là nan Microsoft Word. Nan Microsoft Word par défaut de pou ouvrir Word, li tout ouvert avec un seul page. Et ki bon mwen page la, mwen li directement dans fraction ki en bas, fraction 1-1. 1-1 signifie, numérateur signifie, moi la page 1. Dénominateur signifie, moi gagne yon page. Si m'pese un thème, Kembel, pour qu'à suivre bien fraction, la varier. Mais côté qu'à varier, c'est là pour suivre ensemble avec. Ma pese un thème, vous suivre là. Voilà, m'kembe un thème. Fraction 4-4. Fraction 5-5. Fraction 6-6. Fraction 7-7. Ainsi de suite, autant que deux fois ma Kembel, c'est autant de fois que fraction la varie. Maintenant, avec flèche en haut, m'a monté curseur. Vous marquez bien fraction varie et tout. Qui fraction m'gagne? M'gon fraction 4 septième. 4 septième signifie, moi dans page 4, curseur dans page 4, et puis, document li gagne 7 pages. Ça, c'était Microsoft Word. Maintenant, en cours elle, j'ai qu'on y a là, comment pour me faire pour m'insérer page? Bien plus de façon, m'a montré deux là-dedans. À partir de là, on même l'op insérer page pour là où on est qui est pour utiliser. On a dit. Pour voir si on a fait façon plus simple, là, il y a un petit signe plus. Plus ça signifie si je clique sur lui, bang, automatiquement je clique sur lui, automatiquement tout, il y a une autre page qui est ajoutée. Il presque bon, même interface avec Excel. Vous avez page 1, vous cliquez sur lui, bam, ça sur page 1, page 2, on clique sur lui, bam, ça sur page 2. Ça signifie autant de fois que je voulais insérer page, c'est autant de fois que je cliquer sur signe plus. Page 3, page 4, page 5, page 6, etc. Et vous remarquez bien, dans Word, je gagne fraction. Tandis que dans Courage, je lui-même, je gagne fraction. Même presque gagne un barrage qui presque identifie même la fraction. 6 sixième. 6 of sexe, c'est même bagaille. Ça signifie que moi dans page 6 et document gagne 6 pages. Si moi dans page 4, ou un peu comme si me une fraction 4 sixième, moi dans page 4, document gagne 6 pages. C'est comme ça on fait. Maintenant deuxième façon qu'a insérer une page dans CorelDRAW, c'est qui ça? Moi n'ai seulement fait un clic droit là et puis me cliquer sous soit insert page after ou bien soit sous insert page before. Insert page after signifie l'app insérer en page moins après page 4 là. Insert page before signifie que l'app insérer en page moins avant page 4 là. Mal la page 1 pour qu'on comprenne bien ça m'abdou là. Page 1, mais page 1. Et remarquez bien, pas gagner l'autre page avant page 1. L'app insérer en page avant page 1. Fais un clic droit sur lui et puis me dit insert page before. Donc ça signifie que pas ça pour insérer l'app insérer avant pas ça. Voilà. Donc, mes sacs d'une page 1 qu'on y a là. Et puis, mes pages 2 1, qui dégainent, document sous lit déjà. Ça, c'était une deuxième façon. Une troisième façon qui existait, signifie, m'ka cliquer côté marqué dans le bas de menu, en layout, là, m'cliquer sous lit. Et puis, côté marqué insert page, m'cliquer sous lit. Fois ça qu'on y a là, il y a vraiment une autre petite fenêtre qui est plus ou moins compliquée. Insert page signifie nombre de pages que je voulais insérer. Par exemple, document là, il y a 7 pages. On dit que j'ai besoin d'insérer 3 pages. M'augmenter à 3. Maintenant, 3 pages, ça m'a inséré, hein? Qui ça m'a fait? Est-ce que m'a inséré 3 pages before page 2 ou bien 3 pages after page 2? Ça va le dépendre.
me choisi insérer 3 pages ça yo before page 2, c'est-à-dire avant page 2. Comme ça tout me dit droit voulez insérer 3 pages ça yo before page 3 ou bien before page 4 ou bien before page 5, ça va dépendre de ou même. Me choisi insérer le before page 2. Maintenant, 3 pages ça va insérer, est-ce que me voulez insérer en portrait ou bien en landscape? Toute page qui est dans le document, toutes 7 pages, c'est des pages qui sont en landscape déjà. Quand ça tombe, je voulais quitter en landscape et puis toi, ça m'a inséré, je voulais insérer en portrait. Je vais checker le portrait pour me dire que tous les 3 pages qui vont insérer avant page 2, il y a inséré en orientation portrait. Paper, je vais choisir quel type de papier au préalable pour pas 3 pages que je vais insérer. White and height, je vais tout déterminer qui longueur avec largeur page là. Inch, m'ga tout déterminer qui mesure pour page là. Est-ce que c'est un inch, est-ce que c'est un millimètre, est-ce que c'est un picasse, point, pixel, ça va dépendre de vous-même. M'quitte en inch. Et puis, j'aime finir qui ça me fait, juste cliquer sur OK. Automatiquement, cliquer sur OK. Mets 3 pages qui insérer yo. Page ça, ou pas que bien yo page là campé. Troisième page à qui campé et si pour quatrième page après le coucher qui gagne un document sous lien. Voilà. Donc même page qui après 3 pages que me saute insérer. Maintenant allez sous machine pour là essayez insérer page avant ou bien après document, essayez tout observer fraction 5 dixième pour la tenir dans une autre fraction quelconque, essayez insérer page de différentes façons que nous montrons et puis après ou à dis-nous comment ça t'est.